Un témoignage poignant. Ce vendredi 21 mai, la série documentaire The Me You Can't See, consacrée à la santé mentale et produite par le prince Harry et Oprah Winfrey a été dévoilée sur Apple Television. Si dans celle-ci, le duc de Sussex se confie sur ses propres troubles psychologiques en lâchant de nouvelles bombes sur la famille royale, il n'est pas le seul à raconter son expérience. Au fil des épisodes s'entrecroisent les témoignages de nombreuses personnalités, dont celui de la chanteuse Lady Gaga. La pop star de 35 ans a notamment évoqué un souvenir particulièrement traumatisant de sa jeunesse, qui lui a laissé des séquelles contre lesquelles elle continue à lutter. Stéphanie Germanotta, de son vrai prénom, s'est épanchée sur la terrible agression sexuelle dont elle a été victime à 19 ans. Au tout début de sa carrière, l'interprète de Stupid Love a été abusée par un producteur de musique qu'il a abandonné, enceinte. J'avais 19 ans et je travaillais dans le show business, et un producteur m'a dit, enlève tes vêtements. Et j'ai dit non. Et je suis parti, et ils m'ont dit qu'il allait brûler toute ma musique. Et ils ne se sont pas arrêtés. A-t-elle raconté avant de poursuivre les larmes aux yeux, ils n'ont pas arrêté de me demander, et je me suis juste figé je ne me souviens même pas. Un viol qui a marqué l'artiste aussi bien psychologiquement que physiquement. Lady Gaga a en effet insisté sur les douleurs insupportables éprouvées après son agression, « J'ai d'abord ressenti une douleur intense, puis je suis devenu engourdi. Et puis j'ai été malade pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines après, et j'ai réalisé que c'était la même douleur que j'ai ressentie lorsque la personne qui m'a violé m'a déposé enceinte au coin d'une rue », a-t-elle tristement révélé. Lady Gaga face au syndrome de stress post-traumatique. Si elle a ensuite pris le temps de consulter des médecins mais aussi des psychiatres après cette terrible expérience, la star a souffert pendant longtemps d'un syndrome de stress post-traumatique, qui continue de la hanter. « J'ai fait une vraie crise psychotique, et pendant quelques années, je n'étais plus la même. Ce que je ressens quand je ressens de la douleur était ce que je ressentais après avoir été violée. J'ai eu tellement d'irmées de scans où ils ne trouvent rien. Mais le corps se souvient. » A-t-elle constaté? Si elle affirme se sentir mieux aujourd'hui, après être passée par des périodes sombres où elle voulait se faire du mal, en s'automutilant notamment, Lady Gaga est toujours dans un combat permanent avec elle-même pour maintenir sa santé mentale à flot. Tout le monde pense que la santé mentale s'y est comme une ligne droite, que vous tombez malade et ensuite vous guérissez. Ce n'est pas comme ça, a-t-elle conclu.